power. Je vais prier pour elle. I'll pray for her. Je prends l'église à témoin. I take the church as witness. Ne pas conduire ici. So that they will not say. Vous priez avec un prophète. You pray with a prophet. Et les choses arrivent qui ne prennent pas. Tout ça fait, amen. Amen. On va prier pour elle. We pray for her. Il y a une forte étoile que Dieu a mis sur elle. Very star over her. Elle est là pour un temps chez toi. She is there for a while. Écoute-moi. Listen. Je parle selon Dieu. I call. Elle est là pour un temps She's avec toi. She's there for a while. Après, elle va poursuivre. She will follow. Je la vois aller à Londres. I see her go to London. Non, si c'est faux, faut dire. Hein? Oui. Tu m'as déjà dit ça. Je la connais. Non, faut répéter. Dans le micro. Après, chez toi, elle doit aller où? Elle doit poursuivre à Londres, non? À Londres, oui. Elle sera bilingue. C'est là où elle va avoir l'argent. Mais ce qui va l'empêcher d'arriver à Londres, c'est ce qu'il va te dire. Je vois un viol. Je parle en tant que prophète. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Depuis que je prêchais, Dieu est en train de me dire ça. Maman. Maman, maman. Assieds-toi, assieds-toi. Je vois un policier derrière elle. Je vois Aimé. Aimé, c'est qui? C'est mon oncle. Hein? C'est un oncle. C'est un oncle. Major! Il est policier. Dans le micro. Dans le micro, Mathieu. Il est policier. Oui. Il est grand d'état, il est noir. Oui. Hein? Oui. C'est ça qu'ils vont tirer sur lui. Je vois Aimé Bolaké. Oui. Un truc comme ça. Hein? Oui. Aimé Bolaké. C'est son nom. Oui. Non, tu n'as pas acclamé, j'arrête de prophétiser. Non, fais du bruit pour le Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Dans le micro. Maman, je vais prier pour toi. Ils vont tirer sur lui dans le 19e arrondissement. Hein? Non, tu n'as pas bien parlé. C'est son quoi? C'est son département. C'est là-bas qu'il travaille. Department. Je le connais. Tu m'as parlé de lui. Tu n'as pas acclamé, on arrête. Yes, donne la gloire à Jésus plus fort. Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain, souverain au vous élevant, devant le vent, devant vous l'adorer, l'agneau. Faut lui donner un mouchoir. Donne-lui un mouchoir. Je vais prophétiser. La balle va prendre un de ses collègues. Parce qu'en réalité, dans le monde de l'esprit, il aura un braquage organisé. Précisément dans le 19e. Parce que loin du commissariat, il y a comme des maisons, comme des villas que les gens ont construit. Il y aura un braquage organisé. Et l'un des collègues va faire partie de ce braquage. Et il va les appeler pour dire allons-y. Quand ils vont aller dans la précipitation, lui il va s'isoler. Parce qu'il a déjà donné le plan comment ils vont arriver. Voilà comment toi, le monsieur sera atteint que tu connais. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends? You understand. Mais je vais prier, la balle va prendre celui qui est caché. The one you see there. Tu crois en ça? Est-ce que tu crois? Mais attends, je vais voir quelque chose. I want to see something. Tourne ton dos, je vais voir un truc. Turn your back. Faut revenir. Come back. Reviens. Come back. Reviens. Turn back. Aimé là, est-ce qu'il connaît quelqu'un qui s'appelle Armel? Je vois un petit garçon. You know somebody call him Armel. Hein? Non, faut mettre un micro. C'est qui? C'est son fils. Oui. Mais il a passé un BPC, il a eu? Oui, il passe un examen. Papouné! Car il est glorieux et digne de rêver. L'agneau est souverain. Mathieu, ce que je veux dire à l'église, ce que je veux dire à l'église ce matin, ce n'est pas de la sorcellerie. No, witchcraft. Mais c'est un don. C'est quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Soit tu vois, moi tu ne vois pas.
Je vais prophétiser. Les portes vont s'ouvrir. Door will be open. Oh, le monsieur aime trop son fils. Love his son so much. Il aime beaucoup. Love his son la femme est noire comme lui, il a son visage. Black like him. Mais je vais prier. I'll pray. Et puis Dieu va faire. Oh, God will do it. Viens devant moi. Come in front of me. Lève tes mains. Lève les mains. Raise your hand up. Esprit de mort, je t'ordonne. Spirit of death, go. J'ai vu la balle. I saw the. Venez sur cet homme aimé. Come on. Tu m'as montré l'arrondissement 19e. Mais si j'ai reçu l'onction que tu m'as appelé, j'ordonne à la balle de se déplacer. La balle va prendre cet homme. Qui est à moitié Yakuba et moitié Djula. Si l'Éternel m'a oint, il est Sénifo Yakuba. La balle va le prendre. Parce que c'est lui qui organise tout ce qui est braquage. Le feu, 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 le feu. Tu es Dieu. Réponds ce qui était beau. Lève-la. Regarde-moi. L'action va se passer. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer. Tu as dit que le prophète demain n'a pas prié. Ça va arriver. Mais il n'aura rien. Amen. Il va sortir intact. Dieu va faire le miracle. Amen. Je vois qu'il va avoir une promotion. Tu lui dis ça de ma part. Il y a longtemps, il attend. Ils vont l'élever. Il ne faut pas qu'il démissionne. Qu'il persévère. Je vois comme il a 3 V. Mais ça va augmenter. Tu comprends ce que j'ai dit? Si tu ne connais pas ces V là, tu l'appelles. Tu lui demandes, tu as combien de V? Il va confirmer. Dimanche, tu vas venir dire, effectivement, j'ai 3 V. Mais Dieu va ajouter. Shalom, au Père miracle. Seigneur, merci pour la vie d'Amel, qui est un cerveau, un enfant intelligent. Un enfant intelligent. Merci pour les portes que tu ouvres. Hermé, il doit, Armel, il doit continuer dans tout ce qui est médecine. Son fils Armel, il n'a qu'à marcher dans la médecine, c'est sa vocation. Tu es vivant, accomplis ta parole. Il sera grand, il donnera à manger à sa famille. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lève ta main là où tu es. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, je vais prier pour toi. Tu m'as oint. J'ordonne maintenant. Celui qui veut prendre ton étoile. Pas vite. Feu. Fire, fire, fire. Fire, aide-la. Libère, esprit pur. Tu libères sa vie. Je t'ordonne de partir. Le feu, aide-la. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sois vite. Apportez-moi de l'eau. Sois vite. Je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de partir. Tu es foudroyé par le feu. Tu es foudroyé par le feu. Tu es foudroyé par le feu. Le feu, le feu, le feu. Go. Libère. 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 Je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de partir. Mets ta main dans son bavante. Bavante, bavante. Go. Je t'ordonne de partir. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu opères miracle. Tu opères miracle. Tu opères miracle. Agis. Manifeste tes grâces, tes faveurs. Shalom. Sa vie est sous ta couverture. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a quelqu'un, l'attitude de celui qui n'oublie pas l'essentiel. Dis encore avec moi, l'attitude de celui qui n'oublie pas l'essentiel. Dis encore plus fort, l'attitude de celui qui n'oublie pas l'essentiel. Nous lisons. We read it. Quelqu'un peut nous faire la lecture. Can somebody read it? Psaume 23. Psaume 23. Je lis la parole de l'Éternel. Mm-hmm. L'Éternel est mon berger. Mm-hmm. Je ne manquerai de rien. Mm-hmm. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mm-hmm. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Amen. Amen. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Le sous-thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'attitude de celui qui n'oublie pas l'essentiel. La Bible dit en Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit encore, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qui a écrit le livre des Psaumes? David. David. Si vous remarquez bien, le livre de Psaumes est rempli de sagesse, est rempli de réflexion, est rempli d'un parcours, d'une histoire d'une personne. Mais l'Écriture dit ceci. David, dans ses moments difficiles, il a dit ceci. Il dit, l'Éternel est mon berger. Dieu est notre berger. God is our Quand il est avec nous, c'est lui qui est le guide. He will be lead. Et l'objectif de Dieu, c'est qu'on ne manque de rien. We should not lack anything. Et quand Dieu est ton berger, when God is your shepherd, il veille sur toi. He watch over you. Il te dirige he lead you. Près des eaux paisibles. Il te dirige he lead you. Près des eaux paisibles. Son rôle, c'est de restaurer ton âme. To restore your soul. Son rôle, his duty, c'est de donner de quoi à manger. To give you food. Son rôle, his duty, c'est de t'entretenir. To take care of son rôle, his duty, c'est de veiller sur toi. To watch over Mais you. Ce qu'on doit savoir, what you have to quand know, nous marchons avec Dieu, nous God. Attendons souvent à recevoir des We bonnes choses. To receive good things. Élévation, Résia, gloire, glory, prospérité, prospérity, richesse, richesse, abondance. Abundance. Mais sachez une seule chose, no one thing. Avec Dieu, with God, faut s'attendre au bien et aussi good, au mal. And also the evil. Et c'est là le chrétien oublie souvent l'essentiel. Parce que pour lui, quand il rencontre Dieu, quand Christ est dans sa vie, Christ son rôle, c'est seulement de l'élever, c'est seulement de le bénir, c'est seulement de le rendre prospère. Mais ce n'est pas seulement ça. Avec Dieu, il y a aussi les épreuves. Touche ton voisin, il faut lui dire, il y a des épreuves. Touche quelqu'un près de toi, dis-lui voisin, il y a des épreuves. Dis-lui encore, il y a des épreuves. Dis-lui encore, il y a des épreuves. Vous savez, il y a l'histoire d'un homme dans la Bible qui m'a marqué. L'histoire de Job. Il avait dit que Job craignait l'Éternel. Job était un homme intègre. Il avait dit qu'il était droit. La Bible dit qu'il était juste. Righteous. Ce n'est pas Job qui a parlé de lui. Mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même dans le ciel qui a commencé à faire les éloges de Job. Et Dieu dit ça à qui? Dieu dit ça à Satan. À Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Job est intègre, Job est juste, Job est droit. Satan dit à Dieu, c'est parce qu'à Job tu as tout donné. Tu lui as donné l'abondance, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des troupeaux. Comment cet homme ne peut pas te craindre? Alors Dieu dit ceci, Satan, va sur la terre, attaque-toi à Job, tue son troupeau, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. La Bible dit que le diable descend sur la terre. Satan vient animé d'une grande colère sous l'ordre de Dieu. La Bible dit il vient, il détruit les troupeaux de Job, il tue les enfants de Job. Entre nous, Dieu lui dit ne touche pas à sa vie. Mais quand quelqu'un tue ton enfant, il a touché à ta vie, mais il n'a pas touché à ta vie. Non, tu n'as pas répondu bien. Je vais chauffer ce matin. Non, tu n'as pas bien répondu. Non, il a touché à ta vie ou il n'a pas touché. C'est pour vous dire ceci. Quand même Dieu dans le ciel, donne une minute à Satan de vous attaquer. Lui, son rôle, c'est de vous tuer. Il dit to kill you. Mais ce que vous devez comprendre, what you have to understand, les épreuves qui arrivent dans notre vie, the trial in your aucune life, épreuve ne peut arriver dans notre vie trial, si Dieu n'a pas permis. If God doesn't allow it. Souvent on se dit, sometimes parce say, que je traverse les problèmes, I'm crossing ça veut dire que j'ai péché contre Dieu. Mean, ce n'est pas tout, nous devons accuser les sorciers. Ce n'est pas tout parce que nous avons péché. Mais Dieu permet souvent des épreuves afin de préparer une gloire à venir pour nous. Dieu permet souvent les épreuves afin de préparer un futur pour nous. Dieu permet souvent les épreuves afin de forger notre foi. Train your faith. Satan frappe Job. He hate Job. Il perd son troupeau. He took his flock. Il perd ses enfants. He kill his children. Et la femme de Job dit à Job. The wife of Job said, Job,
maudit Dieu. Curse God. Et meurt. And die. Parce que ton Dieu là, because your il n'existe pas. He doesn't exist. Ah les femmes. Oh woman. Quand c'est bon, c'est bon. When it's good, it's good. Quand c'est mauvais, ah chacun doit when prendre son good, chemin. Everybody has to take his mais way. C'est pas toutes les femmes. Not all the je women. Crois que les femmes de cette église, elles sont des femmes exceptionnelles. They are exceptional. Non, tu n'as pas acclamé Dieu. Yes, amen. J'ai dit que tu es une femme exceptionnelle. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas comme la femme des gens. Tel tu acclames, je vais chauffer ce matin. Elle dit ceci à Job. Job, maudit Dieu et meurt. Curse God and die. Et Job dit à sa femme, God said, non, je ne peux pas le faire. I cannot do it. C'est méchant de ta part. It's wicked to say, de dire ceci de la part de Dieu. Je ne peux pas maudire Dieu. I cannot curse God. Ni je suis né, naked I was ni born. Je retournerai. Naked I will je go n'avais back. Rien. I quand j'ai rencontré Dieu, when I met c'est God. Lui qui a fait de moi ce que he je suis. Who I am. Et si je suis tombé aujourd'hui, le you. Même qui a fait de moi ce the que je suis, me, même si je suis tombé, il pourra encore me relever. You restore me. Souvent dans vos moments difficiles, c'est Dieu qui permet que vous tombez. C'est Dieu qui permet que vous tombez. Il arrive des fois où tu ne te retrouves pas. Dieu permet ta chute. Pour que tu puisses voir qui est avec toi so et qui n'est pas avec toi. Souvent ta chute aussi que Dieu permet, c'est aussi un brisement. Parce que tout va bien chez nous. On est orgueilleux et on est hautain. Et celui qui oublie l'essentiel, quand Dieu le brise, il abandonne en même temps le chemin de Dieu. Et si tu abandonnes le chemin de Dieu, ça veut dire que tu as perdu. Tu n'as pas approché Dieu par amour, mais tu as approché Dieu pour ce qu'il va te donner. Oh, ce n'est pas ça la chrétienté. Quand tu approches Dieu, ce n'est pas à cause du mariage, ce n'est pas à cause de la guérison, mais tu l'approches parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'a remplacé à la croix. Où tu devais mourir, il est mort pour toi. Où tu devais être condamné, il a été condamné pour toi. Où tu devais te rabaisser, il a été rabaissé pour toi. Où tu devais être humilié, il a été humilié pour toi. Où tu devais être rejeté, il a été rejeté pour toi. Telle est la raison de notre adoration. That is the reason of our worship. On ne l'adore pas parce qu'on va avoir d'argent. You don't worship him because on l'adore pas parce qu'il a réservé une maison quelque part pour nous. On l'adore parce qu'il nous a remplacé à la croix. You worship him because c'est la première des choses. The first thing. Mais Job dit à sa femme. Job said, il dit je ne peux pas maudire Dieu. I cannot curse God. Ni je suis né. Naked I was ni born. Je retournerai. Naked I will go back. L'attitude. The attitude. De celui qui n'oublie pas l'essentiel. The one doesn't forget la première des choses. The first thing. C'est une personne reconnaissante. He's a grateful person. Il n'oublie pas son parcours. Doesn't forget his journey. Je vais vous raconter une histoire. I want to tell you a story. Il y avait un homme. A man. Il cherchait à devenir riche. He wanted to become rich. Et un jour. And one day. Sur le chemin. On the way. Il a rencontré une fleur. He met a flower. Et la fleur lui dit ceci. The flower said. C'était une fleur qui parlait. A flower can speak. Et la fleur lui dit ceci. The flower said. Il dit mais mon ami. My friend. Je te vois trop soucieux. I see you worried. Quel est ton problème? What is your problem? Il dit quand je regarde ma vie. When I look at my life. Je ne suis rien. I'm nothing. Je n'ai même pas d'argent. I have no money. Pour aider ma famille. To help my family. Je n'ai pas d'argent. I have no money. Pour m'occuper de mes frères. To take care of my brothers. Et la fleur dit. And the flower said, moi. Me. Je peux te prendre pour t'emmener sur une montagne. I can bring you to a mountain. Où tu vas trouver du diamant. Where you find diamonds. Tu vas trouver des richesses. You find riches. S'il te plaît. Please. Ne m'abandonne pas. Don't forsake me. Écoutez très bien. Look at. Donc la fleur the flower commence à marcher avec cet homme. Began to walk with the man. Et elle conduit cet homme sur la montagne. Leave the man on the mountain. Quand l'homme arrive, where the man reached, il trouve des pierres de rubis. He found all il the trouve de l'or. Precious stone. Il trouve le diamant. Gold, il ramasse tout ça. Took out of him. Et au lieu de dire à la fleur, viens en bas, time, lui il a commencé à descendre de la montagne. Gone down the et la fleur lui pose la question. The flower asks him, il dit, tu es sûr que tu n'as pas oublié quelque chose? Are you forget, you didn't forget il dit, ah, est-ce que je dois encore ajouter de l'or? Shall I add gold? Et la fleur lui dit, flowers, tu as oublié l'essentiel. You forget the essential. Le plus souvent, most of the time, celui qui nous conduit à la gloire, the one lead you to a dès glory, que nous avons la gloire, when you have a glory, on oublie celui qui nous a conduit. You forget the one mais quand tu oublies celui qui t'a conduit, when you forget the one et le jour que tu as, ça disparaît. Qui est capable encore de te prendre pour te conduire à cet who endroit lead you again? À cause de ton ingratitude, because of tu t'es fermé toi-même les portes. You close the door yourself. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a plusieurs comme ça. Many like that. Dès qu'ils sont en contact avec toi. When they are in contact dès que tu leur donnes le boulot. When you give a work. Dès qu'il a commencé à travailler. He began to work. Il ne t'appelle plus. He doesn't call you anymore. Tu l'appelles, on dit c'est si messager. You call him a messenger. Tu le rappelles, tu lui dis rappelle-moi. You bring il dit je suis occupé. I'm busy. Ça, ce n'est pas la vérité dans la métier. It's not the truth on the dans votre marche, apprenez à être sincère. In the journey, be sincere. David dit, il dit l'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not mais ce qui va faire la force de mon message. What my strength, il dit ta houlette. Your road. Et ton bâton fait quoi? Ta houlette est ton bâton. Your road and your staff. Mais est-ce que vous savez à quel moment de votre vie que la houlette intervient dans votre vie? Come into your life. Vous savez, la houlette et le the bâton, road and the staff, c'est la même chose. Hein? They are the same.
La houlette et le bâton. The rod and the staff. Il n'y a pas de différence. There's no difference. Donc, je vais dire, la seule différence. The only difference. C'est que la houlette. The rod. La houlette est comme un fer mais crochet. Like an iron bâton. Bien crochet. There's a, comme un point d'interrogation. Like a question. Vous savez ça sert à faire quoi? You mean what? La houlette ça sert à faire quoi? The rod. Quand la bête. Well, the tombe dans un fossé, elle fait quoi? Fall in the gutter. Elle prend pour retirer la bête du fossé, n'est-ce pas? Maintenant, en retirant la bête du fossé, tu sais que la bête peut avoir mal? It can be wounded. Est-ce que tu sais? Do you know that? Que même la bête peut avoir un pied cassé. Quand le berger veut le faire sortir. Well, we have to bring mais est-ce it que back la bête doit abandonner le berger? But does it mean you have to voici plusieurs chrétiens aujourd'hui comme vous. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Mais dès que l'épreuve commence, when vous changez de chemin. Ton adoration ne doit pas changer. Your worship should not change. Apprends à être fidèle à Dieu. Be faithful to the Lord. Je vous dis quelque chose. I want to tell you something. Ceux que Dieu a béni, what God qui n'ont jamais perdu leur bénédiction, they lost their c'est des personnes qui sont restées fidèles. Those who are faithful. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas fidèles dans les églises. There are people who are not faithful in the dès church qu'ils commencent à prospérer, when I began to prosper, il est parti. He's gone. Il y a une de mes brebis qui m'a dit quelque one chose of my sheep, qui m'a choqué. Sheep sent me. Je vais vous dire ça. I want to tell you. À l'époque, quand elle venait, when she was coming, elle était possédée de beaucoup d'esprits. Possessed of many spirits. Délivrance, elle a vomi tout. Deliverance, vomited. Elle cherchait du boulot. Working for work. Elle avait tous ses diplômes. All the degrees. Elle n'avait pas du boulot. She didn't find it. Dès qu'elle a eu le travail, when got the work, même pas 6 mois. Non, non, 6 mois. Vous savez ce qu'elle dit? Soit c'est ça. Qu'elle assise à la maison. She sold. Elle va entendre que le Saint-Esprit lui parle. The Holy Spirit should tell her. Mais quand il s'agissait de ta délivrance, when were about your deliverance, tu n'as pas entendu ce que le Saint-Esprit t'amène. Pourquoi c'est où tu as eu le travail? Now you are tu vas entendre maintenant la voix de Dieu you pour venir. To hear the voice of the Lord. Dis à quelqu'un, n'oublie pas l'essentiel. Don't forget the essential. Touche quelqu'un encore à côté de toi, faut lui dire, n'oublie pas l'essentiel. Don't forget the essential. Et c'est ce qui m'a marqué chez David. What attack me il dit, David? Ta houlette est your ton role and your staff assure me. Et tu dresses une table en face de mes adversaires. La première des choses que vous devez savoir, the first thing you have to la Bible dit que l'Éternel est le berger de David. The Lord is mais the il marche avec David où? Dans la vallée de l'homme de la mort. Ce qui est bon chez Dieu. Quand il marche avec toi dans la vallée when de l'homme de la mort, il ne t'abandonne pas. Doesn't forsake you. Je parle à quelqu'un. Amen. Souvent tu es là, tu as l'impression que tu so n'entends pas la voix de Dieu. Have, mais Dieu est plus proche de toi que le vêtement même que tu as porté. Because il entend ta voix. Your il voit tes pleurs. Il comprend tes douleurs. Il comprend tes chutes de chaque jour. Mais c'est ce qu'on appelle le moment de silence. This is what you call the moment et c'est of silence. Ce que le chrétien ne veut pas. What the Christian doesn't like. Le silence de Dieu dans ta vie. The silence of God in your life. N'est pas synonyme d'oubli. That is not synonyme même Dieu dans la Bible. God in the Bible. Il fut un temps où il ne parlait plus aux prophètes. We're not talking to the prophet. Quand vous voyez l'Ancien Testament, when you see the Old Testament, et le Nouveau Testament, il y a une page vierge au milieu. C'est les 400 ans de silence que Dieu a gardé avant de parler aux prophètes. Before it, et la Bible dit dans ces 400 ans de silence, Dieu est en train de préparer quelqu'un qui allait naître du nom de Jésus par les livres de Matthieu. Donc pour te dire, quand tu pries et tu as l'impression que Dieu a gardé le silence, Dieu n'a pas gardé le silence, mais il est en train de travailler pour toi dans le secret. Il prépare ton élévation, il prépare ton témoignage, il prépare ta réussite, il prépare ta percée, il prépare ta délivrance, il prépare ta restauration. Accepte souvent le silence de Dieu. Ce qui nous empêche souvent, what doesn't allow us, même dans nos églises, in our churches, tu vas voir souvent ils sont là. So you know il peut être même pasteur à côté de can toi. Be pastor near you. Il peut être même responsable. The leader, il a lu ce dit pasteur. Yeah, what type? Ça c'est ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. What we call a spiritual prostitution. Et tu es dans une église, you are in a church, où tu as des responsabilités. You have a responsibility. Toi c'est tu as 5 pères. You have 5 fathers. Tu vas où? Where are you going? Dis à quelqu'un tu vas où? Where are you going? Tout ce que quelqu'un dit tu vas où? Where are you going? Certains mais sont assis là. You are sitting. Le message tu as prêché. The message you are preaching. Matthieu. Certains n'écoutent pas. Some people are not listening. Parce que l'esprit est ailleurs. The spirit are somewhere else. Mais si ton esprit n'est pas disposé, if your spirit is comment not est-ce que available, tu vas recevoir la bénédiction? How can you receive a blessing? Tu ne peux pas recevoir la bénédiction. You cannot receive a quand blessing. Tu t'assois dans la présence de when Dieu, you see the presence la première des choses, the first thing, tu dois oublier tes soucis. Forget your le fait your que tu sois réveillé ce matin, when you wake up tu dois rendre gloire à Dieu parce que you c'est un témoignage. Lord, il y a plusieurs qui ont lutté de voir ce jour. Many ils n'ont pas pu voir ce jour. Mais Dieu a permis que tu voies ce jour. Pas parce que tu le mérites, mais il a fait par pure grâce. Il a fait par sa miséricorde. Il a fait selon sa volonté. On n'est pas patient. You are not patient. C'est ce qui nous amène à avoir beaucoup de bergers. This will bring you the l'autre te donne de l'herbe. So I give you l'autre te donne la salade. A salad. L'autre te donne la viande. And give you après, meat. Tu es constipé. Finally, you have a tu constipation. Ta croissance spirituelle. How for your for spiritual growing? David n'a pas changé de chemin. David didn't change the way. Il est resté avec son berger. He remained with a shepherd. Qui tu écoutes détermine ce que tu deviendras. Qui tu écoutes détermine ta croissance spirituelle. Qui tu écoutes détermine ton élévation. Ce n'est pas tous les messages qu'on écoute. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui doivent même vous imposer les mains. Il y a des gens avec qui vous ne devez pas partager certaines choses.
choses. Some people are mais toi, dès que tu attends que la personne est pasteur, tu mets ta tête là-bas. You put your head there. Il peut dire Jésus. You can say mais est-ce que les fondements, c'est Jésus? Dis à quelqu'un, il nous faut le discernement. You need a discernment. Pour ne pas oublier l'essentiel. For you not forget touche ton voisin, il faut lui dire, il nous faut le discernement. You need a discernment. Touche ton voisin, dis-lui, il nous faut le discernement. You need a discernment. Pour ne pas oublier l'essentiel. For you not forget the essential. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Et la Bible dit, après toutes ces choses, after all those Dieu a béni David. God bless David. Dieu a enrichi David. Make David mais il y a quelque chose David a dit qui m'a touché. There are things something David said. Il dit, il dresse une table. He make a table en face de mes adversaires. Before my adversary. Et il fait quoi? Il oint ma tête et ma coupe fait quoi? Mais avant de dresser la table, qu'est-ce qui s'est passé? Table, il a passé d'abord où? Par la vallée de l'ombre de la mort. Je vais vous choquer. I want to tu veux être béni. Tant que Dieu ne t'a pas fait passer you par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas être béni. You can never be la vallée de la mort, c'est là où celui qui tu comptes là, la vallée de l'ombre de la mort, c'est où tu es à Paris, tu vis chez quelqu'un. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te soutenir. Dans la vallée de l'ombre de la mort, la personne vient et te chasse de celui. Tu n'as pas de repère. You have no repère. Qui va t'aider? Who help you? Qui va te soutenir? C'est la vallée de l'homme de la mort. C'est ce que vous devez comprendre. What you quand Dieu veut bénir une personne, when God wants to bless une personne qui a une vision, you have a vision. Matthieu, cette personne n'est pas appelée à demeurer quelque part. You are not be called to mais dwell Dieu t'amène there. Pour séjourner. God make you quand Dieu t'envoie dans un endroit pour séjourner when make you et que toi tu veux demeurer, Dieu crée des révoltes et il te met à la porte. Une fois que tu es à la porte, tu n'es pas loin de l'accomplissement de ta prophétie. Tu n'es pas loin de l'accomplissement de ton rêve. Tu n'es pas loin de l'accomplissement de ta prospérité. La vallée de l'homme, de la mort. C'est là où tu as aidé des gens, ils deviennent tes ennemis. Ou toi-même, tu te poses des questions. Attends, qu'ai-je fait? What have I done? Le bien j'ai fait retourne contre moi. The good, good I did la Bible dit, il faut bénir Dieu. Bless the Lord. En tout lieu. In everywhere. En tout temps. In every time. En toute circonstance. In every circumstance. Même si tu as aidé des personnes even you et que le bien se retourne contre toi, toi bénis Dieu. Bless et lève simplement son nom. Car la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La vallée de l'homme de. The valley of shadow of death. C'est là où tu fais ton CV. There you make tu as fini CV. De jeûner. You are fini et tu es convaincu. You are convinced. Même à la veille, where, tu as eu songe que tu vas avoir du boulot. You have God après l'entretien, after on dit on va t'appeler. Tu rentres chez toi. You go, on ne t'appelle pas. Call you. C'est la vallée de l'homme de la mort. The shadow of death. La vallée de l'homme de la mort. The valley of the shadow quand of death. Tu reçois la prophétie, where you receive a prophecy. On te dit ceci. Tu vas te marier. You got married. Peut-être l'année prochaine ou dans quelques années. Yeah. Le fiancé, c'est ce que tu comptais. The fiancé, quand la vallée de l'homme de la mort arrive, le fiancé t'abandonne. God. Il part. Tu l'appelles. Il ne répond pas. C'est la vallée de l'homme de la mort. Dieu permet souvent la vallée de l'homme de la mort pour éprouver notre fidélité. To test your faithfulness. Pour voir si tu ne le suis pas à cause des promesses. If you are not faithful, ou mais tu le suis par amour. Love. Je parle à quelqu'un. Tu comprends ce que je dis? Dis avec moi, j'accepte la vallée de l'homme de la mort. Dis encore, j'accepte la vallée de l'homme de la mort. Dieu ne peut pas dresser une table de témoignage devant toi. Tant que tu ne passes pas par la vallée de l'homme de la mort. La vallée de l'homme de la mort, c'est où la prophétie dit, celui-là c'est ton mari. Et arrivé à la maison, vous ne vous supportez pas. Ça ne va pas. Mais c'est pour un temps. La Bible dit, il y a un temps pour tout sur les un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour pleurer, un temps pour être humilié, un temps pour être abaissé, un temps pour être rejeté, et un temps où Dieu vient, il te prend de la poussière et il t'établit à la table des rois. Mais accepte la vallée de l'homme de la mort. The valley of shadow of death. La vallée de l'homme de la mort. The valley of shadow of c'est death. Là où tu portes des vêtements de qualité. Where you wear tu es une belle femme. Cloth, you are mais il n'y a personne pour t'arrêter. Nobody come to stop you. La vallée de l'homme de la mort, shadow, c'est où tu te retrouves dans un grand lit. Where you find malgré ta beauté, malgré ton niveau intellectuel, malgré tes diplômes, malgré tes moyens, mais dans le lit, tu te retrouves avec tes coussins seuls. C'est la vallée de l'homme de la mort. Mais l'Éternel ne t'a pas oublié. La Bible dit, les larmes de malheur se transformeront en larmes de joie. Les larmes de malheur se transformeront en larmes de joie. Je parle à quelqu'un, tel tu dis Amen. Tous tes problèmes se transforment en solutions. Tel tu dis Amen. Tous tes problèmes deviennent solutions. Au nom puissant de Jésus.
touche quelqu'un, faut dire, j'accepte la vallée de l'homme de la mort. So, accept the valley of shadow of death. Touche encore quelqu'un, faut dire, j'accepte la vallée de l'homme de la mort. Accept the valley of shadow of death. Dans la vallée de l'homme de la mort. The valley of shadow of death. Dieu est avec toi. God is with you. Et tu tournes souvent en rond. Just turn me around. Tu tournes comme ça. Just turn me around. Tu tournes comme ça. Turn me around. Ceux même qui sont venus avec toi à l'église comprennent pas ta vie. Ta propre famille se moque de toi. On dit, mais c'est là Dieu est là Jésus. Avant, ils n'avaient pas Jésus, ça allait chez elle. Maintenant, où est là Jésus? Tout maintenant se complique. Regarde comment elle est devenue. Regarde ses cheveux. Regarde ses vêtements. Ce n'est pas ça le plus important. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses de là-haut et non à ceux qui sont sur la terre. Il arrive des fois où Dieu te fait tourner. Mais ce qu'ils ne savent pas, Dieu a plusieurs rôles. Dieu a plusieurs rôles dans la Bible. Quand il te fait tourner, il faut comprendre qu'il n'est plus le berger. Il est devenu le potier. La Bible dit l'argile dans la maison du potier. Le potier fait tourner l'argile sur un tour. Pendant que tu tournes, Dieu se moque de toi. Mais ils ne savent pas. Pendant que Dieu est en train de te tourner, il est en train de te donner une forme. Il est en train de te donner une forme. Il est en train de te donner une gloire. Il est en train de te donner une élévation. Il est en train de te donner une prospérité. Je prophétise sur ta vie. Tes ennemis seront étonnés. Avant la fin de cette année, ceux qui ont prononcé sur toi que tu as échoué, que tu ne peux plus devenir quelqu'un, que c'est fini pour toi, que ton âge est avancé, je suis venu te dire ce matin, ainsi parle l'Éternel, ils ont échoué, 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 ainsi parle l'Éternel, ils ont échoué. La vallée de l'or, the valley of shadow, de la mort, c'est là où amis, there, parents, your friend, te tournent le dos. But get back to you. Les gens que tu as fait veulent te the détruire. Une haine les habite, une colère. Tu te poses des questions, qu'est-ce que tu as fait? Non, tu es dans la vallée de l'homme de la mort. Laisse les gens se moquer de toi. Mais ils ne savent pas que Dieu ne t'a pas rejeté. Mais tu es dans un niveau de préparation. Après la préparation, le temps de l'envoi. Après le temps de l'envoi, c'est le temps de l'accomplissement. Je suis venu t'annoncer que Dieu te fera sortir de la préparation. Parce que le temps de l'envoi est arrivé. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Regarde la révélation que je vais te donner. Et tu es là. À l'intérieur de toi, ça ne va pas. Mais quand on regarde ton extérieur, ton extérieur ne détermine pas ton intérieur. Même quand on voit tes photos sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que tout va bien. Quand tu sors de ta maison, un ami te rencontre, il te dit que tout va bien. Mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Mais je vais te dire que ton extérieur est en train de préparer l'accomplissement de ta prophétie. Ce qu'ils ont vu sur toi, ce n'est pas le contraire. C'est ce que Dieu va faire dans quelques mois. C'est ce que Dieu va faire dans quelques années. C'est quelque chose que Dieu va faire dans quelques semaines. Qui me donne amen bien, ce que je suis en train d'annoncer, c'est ces choses qui vont arriver. Souvent on te voit, tu n'as pas d'enfant dans la vallée de l'homme de la mort. On te dit, ah, tu as pris du poids, hein? Ma soeur, tu es enceinte, ou bien tu viens d'accoucher. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est une prophétie. Ce n'est pas une moquerie, c'est une prophétie. Quand on te regarde, on dit, ah, il y a quelques jours, on n'a pas de tes nouvelles. Pourtant, tu n'as pas de papier. Les gens pensent que tu as voyagé ou tu es sorti du pays. Ce n'est pas une moquerie, c'est une prophétie. Tu es sans logement. Mais quand on te voit, c'est comme si tu as un logement. Ce n'est pas une moquerie, c'est une prophétie. Tu es sans boulot. Mais quand on te voit, c'est comme si tu étais propriétaire de société. Ce n'est pas une moquerie, c'est une prophétie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton aspect extérieur est en train d'annoncer ton avenir. Ça annonce ton avenir. Ça annonce ton avenir. Ça annonce ton avenir. Ça annonce ton avenir. Je vais révéler pour dire ceci. Le père de David voyait David comme berger. Tous ses frères l'envi Shama, Abinadab, Eliab. Il est vrai que Absalom était son fils. Mais je parle de Shama, Abinadab, Eliab. Quand tu regardes David, on le voit comme quelqu'un qui guide les moutons. Mais il ne savait pas que David était dans le temps de la préparation. Parce que si tu as pu diriger des bêtes qui n'ont pas l'intelligence, qui ont seulement l'instinct, si tu as pu les diriger, ce n'est pas les hommes qui sont créés à l'image de Dieu, qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse, que tu ne peux pas diriger. Je vais prophétiser sur toi. Tu es dans la préparation. Tu es dans la préparation. Ce que tu fais, c'est la préparation. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu crois en ton miracle? Do you believe your miracle? Souvent à la maison. Sometimes at home. Le même mec qui tu es là. The one you have with you. Qui t'a connu? Who saw you? Il veut même pas te sentir. He doesn't want to feel you. Ne laisse pas Satan se réjouir. Don't allow Satan to rejoice. Tu es dans la vallée. You are in the valley of shadow of death.
Je parle à quelqu'un. Amen. Et dans la vallée de l'homme de la mort. The valley of shadow of death. Dieu veut que. God wants you. Tu comptes sur lui seul. You rely on Mais je te donne une révélation. I give you a revelation. David dit. David said. Dans la vallée de l'homme de la mort. The valley of shadow of death. Je ne crains aucun. I fear no evil. Regarde-toi. Look at yourself. Ça ne va pas. Hein. It's not well. Mais tu rayonnes. You shining. N'est-ce pas? Ça ne va pas continuer de croire que ça va aller. Ça ne va pas continuer de croire ton avenir. Ça ne va pas continuer de croire que Dieu va faire. Ça ne va pas continuer de croire que Dieu est capable d'opérer les miracles. Le Dieu que je prêche ce matin, ce n'est pas le Dieu de possibilités. C'est le Dieu de l'impossibilité qui rend toutes choses impossibles possibles. Le Dieu que je prêche ce matin n'est pas le Dieu de la facilité. C'est le Dieu des difficultés qui traite les cas difficiles dans la facilité. Je prophétise que ton cas sera géré. Je dis que ton cas sera traité. Ton cas difficile sera traité par le nom puissant de Jésus. Touche quelqu'un, faut lui dire, je crois à mon miracle. Say, I believe in my miracle. Touche ton voisin comme ça, dis-lui, je crois à mon miracle. Say, I believe my miracle. Dis encore, je crois à mon miracle. I believe in my miracle. Dis encore, j'espère en l'Éternel. I hope in the Lord. Dis avec moi, tout ira du mieux. Dis encore, tout ira du mieux. Tout ira de mieux en mieux. Amen. Dis encore, tout ira de mieux en mieux. Touche ton voisin, dis-lui, ça va aller. Do well. Dis à ton voisin, ne perds pas espoir. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Après la traversée de la vallée de l'homme de la mort, la Bible dit, il fait quoi? Il dresse maintenant une table en face de qui? Tes adversaires. Mais toi, tu ne passes pas même d'abord vallée de l'homme de la mort. The valley of shadow. La Bible n'a pas dit la mort. Hein? He didn't say the value. L'homme de quoi? The value. Ça veut dire que tu es dedans, ça t'effraie, mais tu ne peux pas But mourir. You by mais toi, c'est qui t'effraie qui ne peut pas What te tuer là? You toi-même, tu as peur. Mais comment tu vas venir manger tes adversaires? Why you want to live Je suis en train de te dire quelque chose. I want to tell you. Celui qui va rêver sur toi, ce n'est pas celui avec qui tu t'entends. Not the one you. Ton ennemi fera des bons rêves sur toi Your après mon message. Les mêmes qui t'avaient maudit vont t'appeler pour dire, je t'ai vu briller, je t'ai vu prospérer, je t'ai vu élever. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je suis en train d'annoncer l'oracle de l'Éternel. J'ai dit, les mêmes qui t'avaient abaissé vont t'appeler pour dire, j'ai rêvé, je t'ai vu dans ta nouvelle voiture. J'ai eu un rêve où je t'ai vu dans une nouvelle voiture, dans une nouvelle maison, dans un nouveau boulot. Tu es propriétaire de cette parentèle qui dit Amen. L'Éternel fructifie tes avoirs. L'Éternel multiplie tes avoirs. Qui me donne un Amen fort, ce que je suis en train d'annoncer va t'arriver au nom de. Est-ce que tu crois en ton miracle? Believe in your miracle. Dis avec moi, je possède les clés de la réussite. I possess the key of my success. Dis encore, je possède les clés de la réussite. I possess the key of my success. Quelqu'un qui est passé par la vallée de l'homme de la mort. Somebody who passed through a valley of shadow Il ne mange pas avec ses amis. Doesn't eat with his friends. Au début, j'étais choqué. I was shocked quand j'ai vu ce verset. When I saw the verse, il dresse une table. He make a table. Afin de mes adversaires. My adversaries. Dieu pour lui là, c'est comment? How can? C'est avec mes amis, je dois manger. With my friends. Mais pourquoi c'est avec mes adversaires? With my adversaries. En réalité, j'ai compris la révélation. I understood the revelation. La même. Qui t'a empêché d'enfanter. Mais tu n'as fait que prier. Plus tu pries, il grossit. Le vieux oncle sorcier du village. Plus tu invoques sa mort. C'est là quand tu appelles, on dit non, il vient de fêter son anniversaire. Tout va bien chez lui. En réalité, Dieu ne veut pas qu'il tombe. Dieu veut qu'il ait longue vie afin de voir ce qu'il a empêché devenir quelque chose. Je prophétise sur toi. Ceux qui ont empêché ton mariage vont délier. Ceux qui ont empêché ton enfantement vont délier. Ceux qui ont empêché ta réussite vont délier. Non, tu ne me crois pas. Si j'étais à ta place, j'allais dire. Je reçois ces paroles au nom de Moving in our midst, I worship you. I worship you.